Bonjour mes petits cracks moldus, et bienvenue dans cette nouvelle minute fantastique, ou plutôt dans la continuité de la précédente. Comme vous l'avez vu en titre et miniature, il s'agit de la 36.5, faisant ainsi suite à la 36e minute fantastique centrée sur les origines du Choixpeau magique. Je voulais simplement apporter une petite information supplémentaire concernant le Choixpeau, qui est intéressante. Saviez-vous pourquoi les élèves de Gryffondor comme Harry et Neville pouvaient retirer l'épée emblématique du fondateur, et qu'aucun autre élève des autres maisons pouvait faire de même en rapport avec les fondateurs de leur propre maison? Réponse, car de base, et comme je l'ai mentionné dans la minute fantastique, le Choixpeau était la coiffe de Godric Gryffondor. Celui-ci ayant déjà sa propre connexion avec le fondateur de par sa propriété, et le fragment majoritaire de son esprit qu'il insuffla dans le Choixpeau, comparé aux autres fondateurs. Les deux artefacts ayant la même connexion avec leur maître se trouvèrent un lien indéfectible permettant, si je puis dire, ce tour de magie. Merci d'avoir pris le temps pour cette mini-minute et je vous dis à la prochaine pour la 37e minute fantastique. Nox !